Bonjour ou bonsoir les gens, c'est GoroghOrcyon qui vous parle en direct de la 36e partie de mon playthrough de The Secret World, de retour avec Sam Krieg, hein, l'alcoolique notoire, qui va nous donner une mission de recherche, enfin une mission qui va me changer. Je ne suis pas sûr qu'elle va me calmer, hein, je pense que je vais continuer à râler autant, mais bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'elle nous dit, on va essayer de pas tricher, hein, comme d'habitude. Crime et châtiment, tout un programme. Ah tiens, le truc est en anglais. Nous aurons beau maudire le ciel, nous n'en aurons pas moins édifié notre enfer. C'est dans la tour d'ébène, en tête du palmarès des ventes du New York Times sur 5 semaines. Arrête de te vanter. Nous sommes les architectes de notre destinée. Toi, t'es franc-maçon. Aucune innocence, seulement l'ignorance. Personne n'a jamais pu m'accuser d'empathie, de curiosité envers les autres. Ça ne m'étonne pas. En fait, on doit sûrement dire que Sam Krieg est un salopard sans cœur. C'est un gros con en tout cas. C'est exact. Les gens ne m'intéressent pas. On avait cru remarquer. Les actes des gens. Voilà qui est intéressant en soi. En particulier, les conséquences de ces actes. Bah tu bois, tu as un cancer du foie. Crime et châtiment. C'est le thème de tous ceux de mes livres qui sont partis par millions. Qu'ont donc fait les braves gens de Kingsmouth pour mériter leur sort? C'est très simple. Servir le mal. Kingsmouth, Solomon County, un mal pur, intégral. Les Sodomes et Gomorrhes des temps modernes. Ah bon? Dès l'instant où les colons ont quitté leurs navires et débarqué sur ces côtes. Un abcès noir suppur derrière le bel écran fleuri des barbecues, des jours de fête, des défilés et du sirop d'érable. Je le sais. Plus j'y ai trouvé des ténèbres sans fond. L'abysse maudit des plus noirs présages. J'ai vu les traces d'actes si cruels et pervertis, si malsains et fous, juste là, qu'on pourrait croire qu'ils sont sortis d'un de mes livres. Si vous en avez lu un, ce qui est certain, vous savez que ce lieu ruisselle de sang et que les crimes y sont légion. C'est un principe connu. S'il y a un flingue en évidence au premier acte, avant la chute du rideau, quelqu'un va vouloir faire un carton. Sur les méchants s'abattra une pluie de feu et de soufre. Ok, donc on va devoir probablement enquêter sur un crime. Alors, crime et châtiment. Trouver des preuves des recherches effectuées par Krieg au sujet de l'île. Apparemment, c'est par ici. Ah ben, celle-là, ça traîne par terre. Alors, tu... Attends, parce que je ne vois rien avec le truc. Allez, dégage. Dégage. Bon. Allez. Ah ben, je bouge, je suis con. Tu te fous de ma gueule, Lucinda. C'est bon pour les relations publiques, ça. Tu parles, dis plutôt que tu prends ton pied à me mettre en contact avec ces fans déjantés. J'en viens à me dire que tu espères que je finirai par en buter un de ces jours. Par en buter un de ces jours. Pourquoi t'as mis une virgule? Ce serait génial pour doper les ventes, pas vrai? Et en plus, ça te permettrait de te débarrasser de moi d'une façon on ne peut plus spectaculaire. Ce fanatique que tu m'as dégoté est encore plus givré que la rouquine de Tulsa. Il y a un point là. D'accord, il m'a fourni des informations, mais j'ai vraiment dû prendre sur moi pour ne pas le flinguer sans sommation. Et je parie que j'aurais pu m'en sortir sans problème, en plus. Votre honneur, regardez le site internet que cet individu avait créé à mon sujet, et voyez cette photographie que j'ai dû jeter à la poubelle. Notez ces petits yeux pathétiques qui me suppliaient de mettre un terme à sa misérable existence. Oh, et j'ai une autre circonstance atténuante aussi, cette putain de ville de merde. J'ai dû abandonner ma voiture à une intersection parce que la route en gravier, qui a entre nous soit dit le nom le plus sentimental et le plus con que j'ai jamais vu pour une voie de circulation, devenait trop étroite. Oh, et merci pour ton GPS, Lucinda, il a fait tout son possible pour me guider vers une mort spectaculaire dans les flammes. Une voiture accidentée, ça me rappelle quelque chose, ça. Trouver la voiture abandonnée, Sam Krieg. Oui, ça je pense savoir où elle est. On l'a croisée plusieurs fois. Hop, la sortie. Ok, donc on va devoir aller chercher, je suppose, le GPS dans la voiture. Donc j'espère que vous allez bien, que ce Fou continue de vous plaire. Je sais que c'est le cas, hein, mais si vous étiez encore plus nombreux, ça serait encore mieux. Ah, ces bottes vont tellement mieux. Ça fait beaucoup moins drag queen. J'aime pas le bruit que fait ce pont. Moi, il y a un pont qui fait un bruit comme ça, je monte pas dessus. Hein. J'y vais à la nage. De toute façon, c'est ce qui va arriver, donc. On va éviter la meute des zonzons. Je crois que j'ai raté mon coup. Ouais, effectivement. Alors, ben, le GPS, il est là par terre. Bon, j'ai juste me débarrasser des zonzons qui me courent au cul. Allez, cassez-vous. Ok. Ils font n'importe quoi, les zonzons. Alors, utilisez le GPS. Ah non, l'autre qui vient. Ah, et en plus, c'est une invocatrice. Qu'est-ce qu'il y a par là? Non, c'est pas une bonne idée. Ah, casse-toi. Putain, là, il y a encore plus de zonzons. Oula, oula. Allez, dégage. Ah, mais fais-moi la paix. Ah, bordel de merde, ça commence bien. Bon, on va venir par ici. Histoire de voir ce que nous dit le GPS. Alors. Suivi itinéraire emprunté par Krieg pour aller voir son informateur. Ah oui, il faut que je lise ce GPS. Votre trajet a été calculé. Veuillez rejoindre une route cartographiée. Continuez vers l'est pendant 200 mètres, puis prenez la deuxième sortie. Alors, on va doter ça. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite, puis suivez la route sur 500 mètres. Alors... continuez à suivre la route. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche maintenant. Vous êtes dans un arbre. La navigation est en pause. Ok, donc là il s'est planté dans l'arbre. Alors, reprenons le cours du truc. Votre trajet a été calculé. Veuillez rejoindre une route cartographiée. Continuez vers l'est pendant 200 mètres, puis prenez la deuxième sortie. Deuxième sortie. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Tournez à droite, puis suivez la route sur 500 mètres. 500 mètres. Continuez à suivre la route. Ok, donc là il est sur la route. Préparez-vous à tourner à gauche. Tourne à gauche. Tournez à gauche maintenant. La navigation est en pause. Ok, donc il n'a pas pu tourner à gauche parce qu'il s'est planté. Donc là, il est dans l'arbre. Ok. Donc, maintenant, il faut reprendre le trajet à l'envers. La carte. Non, ça, c'est la boutique. La carte. Donc, il s'est planté ici, où il devait tourner à gauche. Donc, il est arrivé de par là. Suivez la route sur 500 mètres. Quoi qu'il pouvait arriver de par là aussi. Mais sa voiture s'est plantée là, donc logiquement il est arrivé d'ici. Suivez la route sur 500 mètres. Ça fait bien 500 mètres. Il a tourné à droite à la deuxième sortie. 1, 2. C'est ça. Et donc 200 mètres, il est arrivé de... soit de là, soit de là. C'est un des deux trucs. Ou là, ça peut être là aussi. Suivez la route à l'est sur 200 mètres. Deuxième sortie à droite, 1, 2. Il a tourné à droite, ça doit bien faire 500 mètres. Et arrivé là, il devait tourner à gauche, mais il s'est planté. Donc logiquement, c'est dans la zone qui est là. Ou alors c'est au pont. Attends, 200 mètres. Si ça c'est 500 mètres... si ça c'est 500 mètres, ça c'est la moitié. Ça fait 200 mètres. Si je reporte, c'est la maison là... et la station service. d'eau. Ah mais oui, la maison n'est pas de la même couleur. C'est la maison. Vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais la maison, les maisons sont brunes, cette maison-là est jaune. Ça doit être cette maison-là. Oui, en plus c'est un fan, donc forcément il est dans une maison, il n'est pas à la station-service, ça n'aurait aucun sens. À la rigueur, il est peut-être parti de la station-service parce qu'il a fait le plein, mais il a rencontré le fan dans la maison en face. Enfin non, pas forcément. Enfin, on verra bien. On va aller dans la zone là-bas. Ça doit être dans une des baraques qu'elle est là-bas de toute façon. Il ne dit pas qu'il a fait le plein. J'ai dû abandonner ma voiture parce que la route en gravier, gna gna, GPS, cette putain de ville de merde, tu te fous de ma gueule, gna gna. Bon, non, il parle pas d'avoir fait le plein, donc c'est probablement la maison. Bon, les coureurs, ils me courent sur le haricot, hein. Là, il y a un Wendigo qui fait n'importe quoi. Et qui m'énerve. Bonjour madame. Bon là il y a bien une maison mais ça ne nous aide pas beaucoup. En fait, je me suis peut-être complètement trompé sur l'itinéraire, c'est tout à fait à l'autre bout de la carte, mais bon. Donc logiquement, c'est ça. Après, c'est peut-être pas logique, il fallait peut-être prendre un autre point de départ et que la voiture est mal placée. Bon, je suis où? Ok, je vais aller jusqu'à la station-service de toute façon. On va aller voir la maison en face de la station service. Donc voilà la station service. Donc ça c'est la maison qui est en face. Alors est-ce que je peux rentrer dedans? Non. Est-ce qu'il y a une cave? Ça n'a pas l'air. Là, il n'y a que des 11 ans. Bon, allez voir la station service alors. Je vois pas pourquoi il serait venu à la station service. Ah, bah oui, bah, apparemment c'est la station service. Chercher des indices à la station service, eh bah oui. Ah bon, bon. D'accord, ça n'a aucun sens, mais... Ouais, ça je me doutais qu'ils allaient me casser les couilles, ceux-là. Oh là, on se calme, là, vous êtes un peu nombreux, là. Vous êtes priés de vous calmer. Ah bah... Apparemment faut que je fouille la poubelle. Bah merci les zonzons parce que je l'aurais pas vu sinon. Oh là il a une tête de con le mec. Enfin ils ont tous les deux une tête de con. Et il a pas l'air content. Hein. Alors je n'oublierai jamais ça Sam. Jetez un œil à mon site Sam Krieg Sightseeing. Oula. Faut qu'on continue à balancer la vérité nue en pleine gueule. Ok. Découvrez où vivait l'informateur de Krieg. Bah, à mon avis, il habitait juste en face, non? Ah bah ah non, j'ai la photo. Ah oui, j'ai la photo. Phase 3. J'ai pas besoin d'aller sur son site, j'ai la photo. Donc il y a une fenêtre, un climatiseur et une mezzanine. Donc déjà, c'est pas cette maison-là. C'est pas celle-là non plus. C'est pas là. Par contre, il y a un compendium. Alors, est-ce que ça pourrait être la maison abandonnée? Non, il y a trop de fenêtres. Ah, là il y a une maison avec une mezzanine, un climatiseur et une fenêtre. Ok, c'est ici. Ah oui, j'étais passé à côté, il y avait la cave. Il y avait un code à la cave et j'avais pas trouvé le code. C'était pour cette quête-ci. Comme quoi les choses se recoupent. Ok. Donc maintenant il faut que je trouve un code. Et c'est peut-être là que le site va servir. Alors je vais monter, je peux pas monter sur l'échelle? Non. Alors il faut que je retrouve l'adresse du site. Non, c'est pas ça que je veux faire. Tac. Réaffiche-moi l'image. Le navigateur, donc c'est... Alors Sam Krieg. site.wordpress.com. Alors Sam Krieg vient à Solomon Island. Bon, je vais pas tout lire parce que c'est en anglais et c'est chiant. Il faut juste que je trouve un chiffre. Monde caché. Alors 1, 2, 1, 1, ça pourrait être une possibilité. Donc attends, 1, 2, 1, 1, c'est un chiffre. 2001, c'est un chiffre. 2006, c'est un chiffre. Là, il n'y a pas de chiffre. Là, il n'y a pas de chiffre. Bon, j'espère que les chiffres ne sont pas cachés dans... le Lighthouse, les Undead. Encore des dates. Euh, 1986. C'est simple festivité. Bon, il y a des dates de partout, donc à mon avis c'est pas une date. Login. Ok. Ça a peut-être un rapport avec les couvertures. Je peux regarder les couvertures? Resident Aurore. Le mort. Non, il n'y a pas de chiffre sur les couvertures. Bon, on va essayer 1, 2, 1, 1. Ah, à moins qu'on puisse juste rentrer comme ça. Mais non, il faut le code. Bon. C'est pas ça. On va essayer les dates. Rien ne passe. Est-ce qu'on a la date de naissance de Krieg? Ça pourrait être intéressant. Ok, ça c'est le truc. Ça c'est la Solus, donc je vais pas utiliser la Solus tout de suite. Ah, il y a une couverture encore ici. Non, il n'y a pas de chiffre dessus. Un verre de jus d'orange, gna gna gna. Je vais quand même lire en diagonale, voir s'il n'y a pas des chiffres qui seraient écrits en lettres. Le monde caché, c'est peut-être là-dedans. Faut que j'arrête de mettre ma main devant la bouche quand je réfléchis. Le culte de l'optimisme, non. Ligne de marque de résident Aurore. Alors, you eat every day. Il faut bien foutre dans ces poubelles. Ah voilà. Your 4-digit security calls viennent tous de ces bouquins. Quoi? Ça vient de ces bouquins. Son code est en rapport avec les bouquins. Il y a des chiffres sur les livres. The Mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non. Il est censé y avoir des chiffres sur les livres. Alors attends, full size. « 71, 72, 78, 79. » Il y a des chiffres au-dessus. Alors attends. 1, 2, 8, 9. Ça peut être une connerie. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une connerie dans ce style-là. Alors, on reprend. 1, 2, 8, 9. Non, c'est pas ça. Bon, en tapant Sam Krieg, ça m'évite de devoir... list of work, peut-être. Ah, ça vient tous de ces livres. Donc ça devrait avoir un rapport avec le Liban. 9780, 9780, 98, 9880, 98, 9780, 98, 9780, 98, 9780, 98, 61. En fait, avec les trois derniers chiffres qui changent. Est-ce que je peux garder ça ouvert en même temps? Oui. Bon. 9, 7, 8, 0. 7, 8, 0, 9. 8, 0, 9, 8. Non. 0, 9, 8, 6. 9, 8, 6, 0. 8, 6, 0, 1. Toujours pas. 6, 0, 1, 8. 0, 1, 8, 2. Bon, c'est pas un rapport avec le truc. Ou alors il les aurait inversés. Ah, ici. Short story. 61, 43. Non. 57, 31. Non plus. Je sais pas. About. Donc attends, reprenons le truc. Donc, vous avez un peu... Donc, votre code à 4 chiffres vient... Vos codes à 4 chiffres viennent tous de ces bouquins. Et donc quand je vais voir les works, j'ai le code ISBN. Et j'essaie tous les trucs possibles. C'est jusqu'au 18 que ça pourrait marcher. Je vais essayer de les taper dans l'autre sens peut-être. Qui les aurait inversés. 8106. 1068 06 8 9 6, 8, 9, 0. 8, 9, 0, 8. 9, 0, 8, 7. 0, 8, 7, 9. Toujours pas. Je sais pas quel est le rapport entre ces putains de bouquins. En même temps que celui-là n'est pas non plus en rapport avec. Un code à 4 chiffres en rapport avec tous les bouquins. Story only, screenplay. Je me serais tombé sur un. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Ouais, non, le dernier c'est pas possible. Je sais pas. Je pense que je suis pas loin de la solution. Méta registre, gna gna gna. Blog et wordpress.com. Parce qu'il parle d'avoir un blog aussi. Non, c'est juste de la pub. Ça doit avoir un rapport avec cette saloperie, mais je ne vois pas le... Alors, attends. A War at Home, The Bleeding Ghost, Anne, The Lighthouse, Nightfall, Undead Marked... c'est lesquels 4 qu'il a mis en couverture? Il en a mis 4 en couverture. Il y a The Marked, The Resident Horror, The Undead et The Lighthouse. Alors, The Marked, c'est 1994. La mort du docteur Imifdage, c'est 94. Le Lighthouse, c'est 87. Et Nightfall, c'est 90. Pourquoi il les a mis dans des ordres différents? 236, 213. Attends. On va encore essayer un truc avant d'aller voir la soluce. Donc, Marked. Donc, on a le Marked. On a le Resident Horror. On a le Hunted. Et on a le Lighthouse. Alors... donc on a le Marked. Le Marked c'est 94. Dernier chiffre, 0. Resident... machin chaud. Resident Horror en 2000. Dernier chiffre, 17. Ensuite on a Undead avec un 4 et Lighthouse un 3. On va essayer ça. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis, on va aller voir la soluce. Je tourne autour à mon avis. Hein. Crime et châtiment. Alors on va fermer ça. Crime et châtiment. Ah oui, évidemment, il me met le livre Secret World. Alors, on en est à la partie numéro 4. Phase 1, découvrez le vivant, trouver le moyen d'entrer dans la maison. Voilà. Si cette maison, quelles que soient les informations que l'écrivain a tenues, elles doivent se trouver à l'intérieur. Contourner la maison jusqu'à l'entrée, celle-ci est verrouillée, nécessite un code. Rendez-vous sur le site du fan mentionné sur la photo. Ça, on l'a fait. Le 2 avril, il écrit que son code confidentiel à 4 chiffres est tiré de ses livres. Au 19 août, il présente 4 des livres. Avec leur couverture, lancez le diaporama sur l'une d'elles. Chaque livre comporte en description son numéro ISBN. Mais le code que vous cherchez est à seulement 4 chiffres. Le code se trouve dans les 4 derniers chiffres du numéro ISBN de The Resident Horror. Pourquoi sur celui-là? Il dit que c'est sur tous les livres. Pourquoi c'est seulement un alors? Et vous voyez, j'avais l'idée, c'était bien le code ISBN, sauf que en fait le truc n'avait aucune logique parce que c'est un seul des livres. C'était pas trouvable. Ah, ou alors il y en a... Ou alors il y aura peut-être encore des codes après, et du coup il faudra que je prenne les ISBN des autres. Ça peut être. Alors, accéder au fichier de l'informateur. Voilà, utiliser l'ordinateur. Alors, c'est ici le mot de passe ou indice. Indice. Alors, le pendule de Foucault, poche 10. Ok. Le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault. Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Oups. Bon, du coup, j'ai oublié comment ça s'écrivait. Le pendule de Foucault. Alors, le pendule de Foucault du physicien est une expérience conçue pour mettre en médiance la rotation de la Terre par rapport au physicien Galiléen. Poche 10. Le pendule de Foucault, poche 10. La force de Coriolis. On va déjà essayer ça. Coriolis. Non, c'est pas ça. J'espère qu'il ne faut pas faire un calcul comme ça, hein, parce que je vais voir direct la solution. Alors, le pendule, quel système de référence? Un mathématique. Effet parasite. Quelques pendules de Foucault dans le monde. Le pendule au Panthéon de Paris. Le dopage de justice de Bruxelles. Le temple de Besançon. Poche 10, poche 10. Pendule pesant. Poche 10, poche 10. Wikipédia, Wikipédia. Peut-être sur l'anglais. L'Équateur? Non. Poche 10, donc Pocket 10. En anglais. Musée des arts et métiers au Panthéon. Le problème c'est que si je tape poche 10, ça va probablement mener à la soluce. Ah, c'est un livre aussi. Umberto Eco, le pendule de Foucault. Poche. Oh putain. Poche et page 10. Comment on fait pour avoir le... Attends. Normalement... tous les livres dans une boutique dédiée. Voir 10 images clients. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça c'est le dos, ça. Le code ISBN 9782253059493. Non, c'est pas ça, c'est pas le code ISBN, ça c'est le code barre. 3043015. Non. Est-ce qu'il il ne le met pas en... il met pas le code ISBN, partager, éditeur, Commencez à lire Le Pendule de Foucault en moins d'une minute. Nania, description de l'ouvrage. Description du produit. Ah voilà. ISBN 10, voilà. 225 305 9498. Voilà! Wouhou! Je l'ai trouvé. Alors, oula, il y a plein de trucs. Sélectionnez votre recherche. Kingsmouth. Solomon Island est un aimant qui attire les âmes chargées de crasse. En existe-t-il d'autres? Les fibromes du roi Arthur et tout ce qui rôde dans la gueule de la nuit. Les ambitions occultes et l'émoi de la Terre se nourrissent mutuellement comme les coraux extraterrestres, ou comme l'acné et la dépression. Terreau parfait pour la doctrine des Illuminati, influence maxi, exposition mini. Abandonné sur le vol de New York, passé au grand capital. Infiltré par les communistes, le pouvoir de l'île ne s'est jamais éteint, il ne fait que couver et se nourrir du mal. L'Académie. Fondée en 1798 en tant que pensionnat privé, couverture pour quelque chose d'autre. Contrebande des présents du diable, financement occulte d'un prince russe dirigé par les Illuminati, rituel à gogo, reconstruite en 1850 après le grand incendie, en 1994 après le tremblement de terre et en 1967 après l'explosion. Les soviets voulaient son retour. L'équipe d'athlétisme la plus redoutée de l'État, la ferme des Anderson. Anderson avait un talent pour les arts atroces, individu sombre, d'humeur changeante et ne tenant jamais en place, a coupé les ponts avec ses cercles occultes pour construire sa ferme. Pourquoi? Fils aîné écrasé en 1904, un coup des bolcheviques, suicide de sa femme, Anderson devient perpétuellement triste, se tourne vers la nécromancie, la thanatologie, les rites égyptiens. Mort de ses deux filles, sombre dans la démence et la mélancolie, fait sa sortie en s'ouvrant les veines avec son rasoir. Alors, la mine de Blue Ridge, j'ai plus de salive. Ouverte pendant le boom minier des années 1870, machine tournant à l'aide de sang humain, dégueulasse, conflit avec les Wabanaki, sympathisants socialistes, mine fermée puis rouverte dans les années 1970. Le contre-maire abat un chaman indien, protestataire, mis en prison, terrain vendu à un tiers, impossible de retrouver sa trace des soviets, récemment effectué quelques excavations sur le site. Le sol est comme l'épiderme humain. Les ongles peuvent creuser aussi profond qu'on veut sans limite. L'Atlantic Island Park. Nathaniel Winter, né Kaminski, le mania du Maine, a acheté la ferme des Henderson à la fin des années 70, voulant construire un parc d'attractions, couverture pour base de missiles soviétiques, mais l'héritage d'Henderson était trop présent et son sang imprégnait le sol. Winter a fait accélérer l'obtention des permis, argent et relations, faisant fi des bâtons qu'administration lui mettait dans les roues. Voulait offrir une bringue d'enfer aux enfants. L'Overlook Motel. Motel bâti en 1960, le temple de Shirley, un jour froid de novembre 1986, la doctrine des petites villes américaines, 5 clients disparaissent, les 5 pointes d'un pentagramme, rideau de fer, un journaliste traîne dans le coin en posant des questions. Base de communication de la guerre froide, les murs entre les chambres étaient très fins. La Maison Noire. Construite en 1974 par Carrie Killian, femme célibataire de Miami, a peut-être vécu à Minsk. Décidément, il n'y a que des Russes dans l'histoire. Les locaux n'appréciaient pas son art. Les rumeurs n'ont pas tardé, puis la foule en colère, tous armés de torches, barraient les portes et les fenêtres et en avant le feu de joie. Aujourd'hui, les punks d'Ismouth s'y réunissent pour faire la fête, initier les nouveaux membres de leur fraternité, montre que t'es un homme et que t'es cap d'y passer la nuit. Personne n'a jamais osé. Et alors le 8, c'est Sam Krieg lui-même. Alors, né le 11 septembre 1951, professeur d'histoire, marié 3 fois, Anne-Marie Ellsworth l'a quitté en 1983. La glasnost n'était qu'une couverture. La star de la télé Bobby Mann, né Popescu, encore un russe, a demandé le divorce en 1986. Sa 3e femme, Elisabeth Galvan, est décédée d'un cancer du sein en 2002. Écrit des lettres à son épouse défunte. Adore le Cachemire, oui. Déteste l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal. Misanthrope, c'est tout sur les ténèbres qu'on cache dans notre cœur et la cadence de la merde. La cadence de la merde. Pro des conspirations qui sont le thème principal de ses romans avec les héros attirés au fin fond de l'abîme. Problème de boisson, syndrome de la page blanche, trouble obsessionnel compulsif. Ah ben pour un fan, tu lui tailles une bavette. Hein. Enfin, plutôt lui, un costume, mais... Il n'y a rien d'autre ici. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre. On va envoyer le rapport. John Anderson, au moins on connaît le nom de ce type maintenant. On sait aussi où il habitait, la tronche qu'il a, et surtout, on a appris qu'il en sait trop. Je déteste vraiment lire ce genre d'élucubrations sur les Illuminati, surtout quand elles sont proches de la réalité. Sauf ces délires paranoïaques sur la guerre froide, les rouges sont tombés avant avec Ivan Draco. Pardon. Nous avons des raisons de penser qu'Anderson a quitté l'île peu après sa rencontre avec Krieg. Tu vas devoir le retrouver pour découvrir ce qu'il sait au juste. On va laisser le blog en ligne pour le moment, des fois qu'il se connecte et que ça nous permet de retrouver sa trace. Détail amusant, je prends la même chose au petit-déj. Non, c'est pas amusant. C'est con. Tac. Tourelle à gros calibre. Augmente les dégâts infligés par tourelle de fusil. Ah, mais je peux pas le prendre. Ok. Arme à main, augmenter les soins. Voilà, et c'est après tout ce blabla que je vais arrêter cet épisode parce que j'ai plus de salive. J'espère que ça vous aura plu, hein. J'ai dû un tout petit peu tricher parce que c'était pas logique. Là je suis désolé, c'est pas moi, c'est le jeu qui est pas logique. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça aide et ça fait plaisir. C'était GoroghOrcyon en direct de mon playthrough de The Secret World. A bientôt pour la suite.